Aïe aïe aïe. Et tandis qu'on va pouvoir lancer la game. Bon. Ah là là. C'est beau. En plus ce skin, je crois que c'est le skin le je crois que c'est le pire skin du jeu, enfin du perso. Genre c'est celui que je trouve le moins beau. Et merde. Je sais pas ce que t'en penses mon petit celui de lequel celui de De Fiel. Ah non mais Fiel il est là pour défier tout le monde sur ses choix. Choix. Je vous défie sur mes choix de vie. C'est voilà, c'est. Je vous défie sur mes choix de vie. Voilà, j'ai décidé de jouer Steve. N'hésitez pas à. N'hésitez pas à ne pas me contredire, à me contredire, je m'en fous. Et du coup, Nikim sur Cloud aussi. Mmh. C'est vrai que je crois que je l'ai déjà vu en offline dessus. C'est possible, c'est très très probable, voire même. Enfin, c'est très très possible, voire même probable. Et à chaque fois, hein, forcément, la petite rico classique de ce Steve, à chaque fois, c'est de c'est d'utiliser un petit peu le minecart, pour tout simplement réussir à faire la chope quand son adversaire il est sur le champ de bataille. Et vraiment, je trouve que c'est. Moi, je pense que s'il devrait y avoir un move à. Entre guillemets. Illégal. Ouais. Pas illégal, mais vraiment un move à nerf sur Steve, c'est quand même le minecart. Parce que vraiment. C'est. Il a juste atterri sur le bloc et ça l'a sauvé. Alors, je sais pas si ça l'aurait tué s'il avait loupé le bloc. Mais par contre, c'était très très sympa. Par contre. Ouais, l'enclume, hein. La grosse enclume. L'enclume qui fait mal. Et tandis que. Et tandis que Steve regarde son adversaire impassablement. Vraiment, genre. Vraiment, Steve, c'est le personnage que j'aimerais jamais rencontrer en vrai. Parce que comment te dire que. Bah, aucune émotion. C'est particulier. Enfin, je sais pas. Moi, j'arrive pas trop à savoir quoi penser du perso. Ah, par contre, excusez-moi, mais monsieur Fiel, il faut remonter sur le champ de bataille. Tu vois, c'est. Enfin, je sais pas. Ouais, le perso a défait contre l'encrume. Steve, il a vraiment du mal contre les deflects, tu vois. Oui, ça c'est vrai par contre. Ça c'est vrai que tu peux renvoyer le cart sur l'adversaire et tu peux renvoyer le cart sur l'adversaire et du coup ça l'embête un peu. Et tandis que la fielle par contre, il a plus de ressources. Il a peut-être besoin un petit peu de miner. Tandis que Nekim a toujours une stock d'avance malgré ce up smash qui va avoir raison de sa stock à 130%. Écoutez, voilà, hein, 53% en affligé. Alors que Chico a été DQ pour inactivité. Ah, dur. Au moins, ça fera une wiki qui se terminera vite. Je suis explosé. Incroyable, incroyable Chico, en tout cas. On te fait des bisous hein, si tu passes par ici. Si tu passes par sur live. Ah là là, par contre, l'équipe, je pense qu'il commence un peu à en avoir ras le cul de cette. Oh, what? Ça va péter? Eh oui! Non. Eh oui! Et ça va péter! Aïe aïe aïe. Putain, magnifique. Ouais, malheureusement. Et malheureusement. Voilà quoi. Ça y... ce sont des choses qui arrivent, en effet. On va voir ce qu'il nous propose pour la suite du coup. Parce que là. Est-ce que Nekim va se. J'ai pas vu, il a tweet sur Joker. Est-ce qu'on a l'info dans le chat? Non, on a pas le. Alors. Genre normalement sur son Discord, on a peut-être l'info. 58, Cloud, GG. Ça reprend Cloud d'abord. On a les bans. Ça reprend Cloud apparemment. Ça banne Smashville, Tonin City, Battlefield. Comment on fait pour. Attends, je voulais récupérer. Tu voulais récupérer. Je voulais mettre. Je sais jamais comment on fait pour. Pour mettre le chat dans une fenêtre séparée. Ah, faut que tu le pop off. On va pas marquer, c'est pas grave. On s'en occupera plus tard.
PS2 apparemment sur cette sur ce match. Cette fois ça part sur Wolf. Écoutez, merci à tous pour vos follow. Et tandis que Nikim a décidé de prendre son meilleur Wolf. Let's go. Contre le qu'est-ce Steve. Que c'est que ça? Contre le Steve Rompiche. Non mais par contre c'est vrai que pour être tout à fait honnête, mon cher Tonios, la qualité n'est plus officielle du stream. Enfin chez moi juste sur Discord. Je sais pas pourquoi. Pas normal. Terrible, c'est pixelisé. C'est peut-être Mako qui est gaze, hein. ça arrive aussi parfois. Ah c'est possible. On va pouvoir remonter tranquillement, 109% quand même du côté de Fiel qui se fait un tout petit peu avoir. Up smash, aïe aïe aïe, bien vu ce Dyson. Je pense que là pour le coup tu vois le Wolf va vite emmerder je pense le Steve avec le reflect etc. C'est pas un perso que tu peux... Dis-moi, tu voulais dire. Non, c'est ça, j'allais dire que j'allais être d'accord avec toi. Effectivement, ça va être un peu relou pour... Ça tape fort, ça te deny certains de tes coups. Je sais pas comment ça se passe pour le minecart, parce que c'est considéré comme un command grab, c'est ça? Alors, c'est un projectile mais qui fait command grab. C'est-à-dire que si tu le renvoies, normalement ça fait un command grab C'est comme la canne à pêche de Marie? Oui, sauf que la canne à pêche de Marie, tu peux pas. Elle peut pas s'auto-attraper avec la canne à pêche. Parce que je pense que ça créerait une faille dans le... une faille temporelle. Ça créerait une faille dans le continuum espace-temps. Ah, par contre, c'était bien vu. C'était bien vu la bonne ride de Nekim avec le tech chase. Ce manque d'animation de Steve me fume. Ouais, vraiment, c'est... Au moins, on dirait que ça respecte le personnage. C'est vrai. Non mais Fiel, je suis pas étonné de le voir jouer Steve. Il aime bien les petits setups avec son Game & Watch. Donc... Il doit en faire pareil avec Steve, donc moi je suis pas étonné. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que Steve, ça fait partie de ces personnages qui ont beaucoup de setup, hein, comme Pac-Man, Megaman, Steve, qui doivent vraiment se jouer sur des trucs très particuliers. Oh putain, oh, il est revenu avec les petites ailettes, mais alors je pensais tellement pas qu'il allait le faire. C'est vraiment joué au poil de cul. Aïe. Oh là là, le side B. Le side B qui va largement faire... faire son taf. Tu vois, c'est la première fois que je m'intéresse aussi à un set compétitif de Steve et je trouve que les ressources descendent si vite finalement. Je pense surtout que c'est Fiel en fait qui mine pas assez. Bah là tu vois il se met des blocs pour se protéger, mais après c'est vrai que Wolf quand même il a son blaster, donc s'il veut t'empêcher de te creuser il peut le faire quoi. C'est vrai. Oh bien vu par contre ce up smash. Ouais. Il a reculé pour forward smash. Bien vu. Beau bait. Totalement. Après, il y a aussi un truc qu'il faut souligner sur Steve, c'est que sur cette map, il a prioritairement de la pierre et du fer, donc à voir si ça change quelque chose à son plan de jeu, etc. Et c'est surtout qu'au moins, il peut utiliser son minecart beaucoup plus fréquemment que s'il est par exemple utilisé sur Smash Ville ou Tonen City par exemple. Ok, Forbear. Smash Ville, Tonen City, c'est full bois, c'est ça? Enfin, majoritairement bois. C'est majoritairement bois, ouais. Lightning, c'est majoritairement fer. Ah, c'est neutre? Ah, y'a Pomme qui me dit dans le chat que c'est neutre PS2. Ah c'est ouais? Que c'était... Ouh! Ah, les matériaux sont random sur PS2. Ah, d'accord. Très bien, on apprend des choses. Et Nekim qui du coup revient 1-1. 1-1 pour le bon Nekim. Effectivement. Les matériaux sont random sur PS2, Smash Battlefield, Destination Finale et PS2. Ah ouais. Bah écoutez, très bien, on aura appris des choses. Après, c'est vrai que. Excusez notre incompétence, mais c'est vrai que on a rarement vu, voire jamais, de Steve sur la scène compétitive à Lyon. Alors, moi j'ai vu Panda et Zombo jouer Steve à la soirée où c'est ça, dès que c'est sorti, c'est sorti la nuit. Ils ont fait session tous les trois. C'était un grand moment. Hein. Mais t'es vraiment les conditions, on va dire, là t'es pas en mode session, je traîne des trucs avec les potes, t'es vraiment dans les conditions du tournoi de faut que tu te focuses pour gagner, donc voilà. C'est vrai. Alors attends, je vais retourner sur le chat de ce fameux match pour voir où ça en est. Où sont les infos?
apparemment ça va prendre Game & Watch. On part sur des vrais bails côté Fiel. Small Battlefield, Battlefield et Internet City qui ont été bannis. Toc toc toc. Parfait, on va pouvoir lancer. On va aller sur PS2. Ouais. La Classico. Des Madrido. Et on garde Wolf, hein, côté. Côté Nekim, ça c'est important. Tuner, Tupper, Tuner, Tup D, pardon. Et Fiel, du coup, là, qui reprend son Game & Watch pour tryhard. C'est beau. Ah bah, il a raison. Hein. Cet homme va nous mettre des setups et des neufs. Ça va être magnifique. C'est tout ce qu'on demande. On ne pourra que acquiescer face à tant de beauté. C'est exactement ça, moi je ne veux que le meilleur, hein, bien sûr, pour ces joueurs-là. On leur souhaite que le meilleur, bien sûr. Tandis que Fiel, malheureusement, se fait un petit peu avoir. Oh, par contre, le Down Smash. Il a fallu que je dise ça pour emmener Nekim à l'autre bout de la terre. Bien vu ce petit. C'était comment il disait Clanus le... Il disait le drop ledge double jump, il appelait ça un flicky. C'est le flicky. Le flicky. Non mais je pense que c'est un terme qu'il faut qu'on popularise. Et là, par respect pour Clanus. C'est par respect pour Clanus et surtout c'est beaucoup plus court à dire. Ah bah oui. Moi je. Le flicky, je vote pour. Flicky. Je flicky, suis flicky. Lui il a fait. Lui il a fait flicky, flicky nerf. Ah ouais. Incroyable. Là. Ah, par contre, et le Game & Watch de Fiel, il me fait tellement peur, moi, perso. C'est... Bah, vraiment. Ouais, déjà, bon, par contre, il est léger, donc. Déjà, Game & Watch, ça fait peur de base, hein. Vraiment, quand il a son arme de. Son UB là. Le bordel, ça peut. Ça te. Pardon. Ouf. La chaise qui te fait. Et la chaise. La chaise. Le gars, c'est un Théo, il pousse des chaises et des tables. La chaise qui fait beaucoup trop de. Qui dure beaucoup trop de frames. Ah ouais, non, mais t'as pas envie de manger les pieds de la chaise, hein, crois-moi. Ah non, pas du tout. On va monter tranquillement. Du côté de Nekim, ça se tâme peut-être un petit peu. Alors que Nawak nous propose un shot de rhum à chaque B de Game & Watch. On va pas finir la soirée. Et c'est Mister Théo, le TNO pour Game & Watch. Shot de rhum, je vois que tu fais... Je vois qu'il fait un B, bah yes. Autant vider la bouteille tout de suite. Ah ouais, on va être tous ce soir les enfants. Moi je dis un shot à chaque fois qu'il te... Oh, bien vu ça. J'ai rien dit. Tu allais dire Tonio? Non, rien du tout. Oh, il a encore tenté la grosse douille, malheureusement c'est le 8. On s'attend d'habitude à un 9 sur ce genre de situation, malheureusement c'est un 8 qui est tombé, ça aurait pu terminer sur une sacrée... Ah, il n'a pas assez manipulé la RNG. Eh oui, parce que c'est un tricheur, évidemment, vous le savez. On va savoir... Oh, ça a pas tué. Ouh, on était pas loin quand même, hein. Pas loin de la blast zone, pas loin des murs. On lèche le bord du mur. On a failli péter les murs, hein, côté Nekim. Le smash qui va pas pouvoir passer, mais par contre cette dash attack qui va envoyer Valérie D'Amido. Elle était trop méta celle-ci, désolé. Bien sûr, oui, c'est très méta en effet. Dash attack en effet. Dans smash, évidemment, la side. Oh, le dos et Burry. Dans smash, boom. La petite flamiche qui va. Ah, mais Fiel est clairement pas là pour niaiser. Hein. Complètement. Il a pas le temps, le bon Fiel.